Et re-bonjour à tous, bienvenue, plutôt re-bienvenue sur Soldats Inconnus des Morts de la Grande Guerre. On était en train de poursuivre le baron. Oh. Nice, le père d'Anna qui vient de nous sauver la vie. Come, ma friend. Ok, bon, on a le patron avec nous, enfin le père de Anna avec nous, ça c'est cool. J'arrive. Ouais, c'était là, voilà. Du coup, on va arriver par au-dessus. Non, putain, je suis bourré. Oui, ça tombe, ça tombe. Non! Non, mais je suis une merde. On va perdre. Vite. Oui. Non, je me bourre. Oui. Oh. Ah bon, on est passé en musique d'action. Malgré l'explosion d'une partie du fort de Duomo, les Allemands réussirent à tenir leur position. La mission fut un échec. Fin du chapitre 2, du coup. Chapitre 3, désillusion. Ma chérie, la guerre vient de m'enlever un ami très cher. Et mon cœur pleure cette disparition qui m'affecte plus que je ne l'aurais cru. Karl est à l'abri du danger des tranchées. Sa santé s'améliore doucement. Je compte, dès que cela sera possible, demander une permission pour aller lui rendre visite. Et vous, comment allez-vous? La situation s'est-elle améliorée à Saint-Mihiel? Karl découvrait qu'il n'en était rien. À en croire la lettre qu'il venait de recevoir, son fils était gravement malade. Karl prit sa décision. Cette guerre ne finirait jamais. Il lui fallait s'échapper. Schwander Nichtlings, der Blunderklump.
Un schnuppam a skrugal. Wie? Ja, ja. Ich welgerte als dabei. Schnock-Frantike! Oh, tu veux pas, Klaus. Ok. On va continuer. Donc lui il va m'offrir ça. Là y'a im Hungerswerst. En fait, c'est un problème là. Ah non, il n'y a pas de problème. Ok, et ça. Après quoi, je suis là je sèche hein. 10. Ah faut d'abord. Pourquoi d'abord l'envoyer dehors? D'accord.
Ok. Quellgötter hast du dabei. Non, c'était le garon, là, je me rappelle. C'était pour accéder ici. De volgende dag schrijf ik.
C'est normal que je me rappelais pas du tout de ça. Ça fait vraiment trop longtemps que j'ai pas joué à un jeu. Putain, ça m'a mis, ça m'a mis mal là du coup. Putain, pauvre Freddy. Ça, je m'en rappelle. Putain, par la suite.
Oh. Fait un triomphe à l'Epiphanie. Émile envoya une lettre à Anna pour l'avertir de la libération de son père. Les trois amis fêtèrent leur retrouvaille, mais elles furent de courte durée. Le 14 mai 1916, on envoya Freddy à la Somme, tandis que le régiment d'Émile établit son camp près d'un petit village perché au sommet d'une colline. Le village se nommait Vauquois. Ici, le conflit s'était étendu sous la surface. Terrés dans leurs tranchées, les deux camps creusaient galeries et souterrains. La guerre des mines avait commencé. Ah!
le camoufleur. Maintenant, va là-bas. Quand même, parce que je trouve que les jeux les plus violents, c'est souvent les jeux les plus beaux. Genre là, le jeu est en vrai assez violent. Hein. Il est très brut et tout dans les thèmes qu'il aborde. C'est ça que je trouve quand même assez fou. Merde. C'est bien, c'est bien. Thank you.
How are you? Oh, danke. Merci. Ça fait un peu tellement. On s'est entraîné, on avait fait un raid comme ça, putain. Ah merde, c'est les Français là-haut. Merci mon ami. Bon bah, adieu. Au revoir. Hein. Je pense pas qu'on recroise. Merci. Merci. Je pense pas qu'on recroise. Mais en tout cas, c'était bien beau ça. Des mines. Putain. Allez. Mais il peut pas passer là. Il va où quand il va là? Ok. J'avoue que là, beaucoup de mal à voir où est-ce que ça peut nous mener ça. Cette bouteille nous sert à quoi en fait? Ah, je savais pas que c'était besoin de faire ça en fait. Grande
Et voilà. On récupère ça. C'est les explosifs. Merde. Les officiers français se glorifièrent des lourdes pertes infligées à l'ennemi. Émile, le cœur rempli d'amertume, refusa d'être décoré pour ce qu'il considérait être un acte de lâcheté. En revanche, Émile et Freddy étaient fiers d'avoir arraché le père d'Anna des griffes du baron Van Dorf. Ses recherches ne pourraient plus servir à construire des armes de guerre. Les bonnes nouvelles étant rares, chacun savourait ce précieux moment. Mais les nouvelles qu'apportait Anna n'étaient pas bonnes. Carl avait été tué en cherchant à s'échapper du camp de prisonniers. Non. Apprenant sa mort, Émile tomba gravement malade. Putain, je pensais que j'avais atteint la fin de l'arrivée. Oh.
C'est normal que je me fasse arrêter. Mais attends, bah du coup on va continuer. C'est pas mon père qui va le prendre. Ah, c'est bon. Écoute, elle me tend. Elle a quelque chose. Ils sont vraiment magnifiques. Il se prend dans un film. Bande de nuls. Oh,
Run. Pas mort. Au moins je le savais. Mais... Okay, September 15, 1916. La sanglante bataille de la Somme continuait. Au total, 206 000 Britanniques y perdraient la vie. Freddy fut désigné par les forces britanniques pour piloter une nouvelle arme de guerre. Une évolution majeure dans ce conflit qui s'enlisait. Mais le baron Von Dorf comptait aussi sur cette bataille pour briller devant ses supérieurs. Donc voilà les amis, bon comme vous entendez, il y a l'aspirateur chez moi. Je vais vous laisser, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao !